vous postulez pour occuper le siège manquant au G8, quelles seraient vos propositions pour limiter le risque de conflits internationaux? Pour limiter les risques de conflits internationaux, je pense qu'on pourrait commencer par limiter les grandes fortunes, répartir mieux les richesses et pour plus de justice sociale. Investir dans la transition énergétique et dans notre indépendance énergétique en développant notre production d'énergie renouvelable. On pourrait éviter de soutenir des régimes extrémistes, ou alors on pourrait mettre tous nos moyens pour une résolution non violente des conflits. Au lieu d'investir des milliards dans l'armement, on les mettait plutôt dans l'éducation et la santé. Démanteler l'arsenal nucléaire. On pourrait profiter de ce G8 pour en faire le dernier, en faire une grande fête et fêter la fin de cette époque où les grandes puissances dirigent le monde en petit comité.